Il y a quelques mois, quelqu'un a posé la question suivante. Il a dit qu'il a fait un éder ou une chouva, bon, de ne plus jamais jouer à des jeux d'argent. Hein? Et sa question était, bon, mais il a quand même le vice, Kaniré. Et il veut envoyer quelqu'un jouer à sa place avec son argent. Alors il a dit, est-ce que le neder, c'est que je ne joue pas? Je ne joue pas. Moi, je ne joue pas. C'est là, est-ce qu'à Kolpanim, il peut envoyer quelqu'un à sa place jouer? Monsieur Cohen, elle vous plaît, cette question, je sens. Non, parce que mon père, il a, avant, il jouait, il a tout perdu. Il n'a rien du tout. Il a fait l'aider. Il n'a pas joué. Même ma Pauline, il joue. C'est pas il joue, il donne l'argent. Il joue, mais sans argent. C'est déjà quelque chose. Voilà. Bon, bah, Caniré, celui qui jouait, on ne peut pas comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre ça. C'est quelqu'un qui joue avec l'argent, moi, ça me... Oui, mais c'est une addiction. Hein. C'est une addiction. C'est une addiction. Ça a été reconnu comme tel. Oui. Alors, donc sa question, elle était... Il est tellement... Est-ce que donc il peut jouer par quelqu'un? Voilà, c'était sa question. Mais c'est Kachour à la souvient un petit peu du jour d'aujourd'hui. D'afem gimel amoud alef. La Mishnah nous dit comme ça. Amarlo hashileni paratra. Quelqu'un est venu chez son ami, il lui dit prête-moi ta vache, ton taureau pour vraisemblablement pour labourer. Amarlo enapnuya. Il lui dit non, j'en ai besoin. Et il est énervé. Il sent qu'il est énervé. Amar konam sadi shemirish bale olam. Il fait un éder de plus utiliser ce séparat. C'est quoi? Tu ne peux pas me la donner? Un éder, je ne l'utiliserai plus jamais pour labourer mon champ. Sa vache à lui. Je ne la donne plus jamais. Je ne labourerai jamais mon champ avec. C'est comme ça, il n'a plus besoin de lui. Comme ça, il est... Il est tranquille. Konam sadi shani horesh ba leolam. Il fait un éder de ne plus jamais... utiliser cette vache pour labourer son champ, de telle façon à ce que tu ne veux pas de ton vote. Alors, garde-la. Alors, évidemment, il se calme après, et sa question est, est-ce qu'il peut demander à un ouvrier de labourer à sa place? Avec la vache. Avec la vache. Mais il a dit, non, il a dit, Konam, ça dit, chez Ani, Horeshba. Moi, non, c'est pas moi, c'est l'ouvrier. Est-ce qu'il peut demander à un ouvrier de labourer à sa place? Alors, c'est-à-dire qu'ici, le cœur de la Mishnah, c'est qu'on voit l'olachon du Neder. Oui. L'olachon, c'est quoi? Chez Ani, mais peu importe. En tout cas, il parle de lui. Donc là, il peut utiliser peut-être, il peut solliciter un employé. C'est la question. Est-ce que quand il fait un Neder, c'est-à-dire que c'est lui, personnellement, ou bien finalement, en toute forme de profit? Sinon, il aurait dit, je veux plus ta vache pour labourer mon champ. Il parle de son champ. Oui, il parle pas de lui-même. Il dit pas je n'utiliserai plus ta vache pour que je puisse, moi, labourer mon champ. Il a dit je n'utiliserai plus ta vache pour labourer mon champ. Donc son champ, il pourra plus labourer cette vache, que ce soit lui ou un autre. Ça dépend comment il a formulé ça. Alors voyons, la Mishnah. Il dit Konam Sadi Shadi Choresh Baleolam. La Mishnah dit comme ça. Imayadar Kola Harosh Hu Asur Bicholada Mutarim. Si c'est lui qui avait l'habitude, alors son éder, il est sur ce qu'il est habitué. S'il est habitué sur lui-même, alors c'est lui qui est assaut. Parce qu'on vise par le néder ce qui est habituel. Ce qui est habituel, c'est lui. Alors c'est lui qui est assaut et il pourra solliciter quelqu'un d'autre. Par contre, nous dit la Mishnah, si ce n'est pas lui qui avait l'habitude d'être au Resh, donc forcément, que quand il a dit chez Eli, de toutes les façons, tu ne le fais pas. Alors de quoi tu parles chez Eli? Alors si de toutes les façons, tu ne le fais pas, il tu vas dire chez Eli, à l'asmo, ou Ben Kovacho l'a aussi. Ben Kovacho, il ne le fait pas. Lui, c'est un pacha, il est à la maison. Alors quoi? C'est que je. C'est toi, de toute façon, tu ne le fais pas. Tous ceux qui représentent le jeu aussi ne pourront pas faire ça. Donc là, il y a une distinction. Si c'est lui qui a l'habitude de le faire personnellement, c'est moi. Mais si il n'a pas l'habitude de le faire personnellement, donc forcément, le neder n'était pas, ne visait pas sa personne, puisque de toute façon, il ne le fait pas. Alors là, il y a une extension et on dit que tout celui qui pourrait le représenter aussi entre dans le cadre du neder. Et le Ritva nous dit... Le Ritva nous dit, Umikan klal gadol,
Quelqu'un qui fait une choua, un éder de ne pas faire quelque chose. Im darko la asota be'atzmo, hu asur v'harim utarim la asota letzorko. Si c'est lui qui a l'habitude de le faire à chaque fois que je j'utiliserai plus ta voiture. J'utiliserai plus ta voiture. Alors si c'est toi qui conduis d'habitude, j'utiliserai pas. Tu peux demander à quelqu'un d'autre de prendre la voiture pour lui faire une course. Lui, tu n'utiliseras pas. Pas le permis. S'il n'a pas le permis, de toute façon, c'est quoi que tu utiliseras. Ça, c'est donc ce qu'il nous dit le Ritva. Si c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, alors le jeu, il est personnel. Si c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, le jeu, il se propage sur tout celui qui pourrait le faire pour lui. Ça, ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est marqué dans le rythme. Alors ici, a priori, c'est lui qui le faisait. Donc si c'est lui qui le faisait, c'est lui. La New Dati, c'est pas comme ça. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, Yom Edea, Siman, Resh, Yud, Zayin, Sif, Memhet. Le Shulchan Aruch nous parle explicitement de ce cas. Il dit comme ça. Mi shenadar o nishba, shelo yitzhok. Shum tzhok. Il a fait un éder ou une joie de ne plus jamais jouer. Assur le atil goralot. Il n'a plus le droit de jouer au loto ou. Tout le atil goralot. C'est-à-dire, qu'en dirait les goralot, c'est lui qui. Velo shum adam bishvilo. Vechen assur le hamrot im havero. C'est quoi le hamrot im havero? Il n'a pas le droit de parier. Le pari. Il n'a pas le droit donc de parier chez Corim Aposter. En tout cas, donc il n'a pas le droit de le faire. Donc ça, il dit Asulatil Goralot, et le Shulchan Aruch précise Velo Shum Adam Bishvilo. Velo Shum Adam Bishvilo. Personne ne pourra le faire à sa place. Donc c'est explicite dans le Shulchan Aruch qu'il ne peut pas le faire. Achav, Mehanien, Aré, il a été noder, et de ne pas jouer lui. Aval, le Taz, il me semble que l'objet dit comme ça. Et lui avec son argent, c'est ça veut dire. C'est ça, exactement. Ça veut dire que, dit le Taz, Deikar kavanato haïta bishwato kedeleimana miskol shok shemevili defset mamon. C'est-à-dire, ça y est, à chaque fois, il faut voir quel est l'esprit du Neder. L'esprit du Neder ici, c'est qu'il ne se mettra pas dans une situation qui pourrait lui faire perdre de l'argent. Donc, mali ton ami. C'est pas... Donc, quand quelqu'un il fait un Neder, il fait un Neder, une joie, je ne jouerai plus jamais avec l'argent. Alors, il dit non, alors je te donne l'argent et tu joues à ma place. C'est je te donne pas valide parce que c'est l'objectif, c'est protéger son argent. Donc là, on va considérer que il va perdre. Il risque de perdre. Et il dit le Taz, ou Mikol Bakom dir Eli. Parce qu'il dit comme ça, il joue gratuitement, ça il a le droit de jouer, c'est pas, je jouerai plus. C'est-à-dire, même s'il n'a pas dit je jouerai plus, si l'objectif c'était parce que pour qu'il ne perde pas d'argent, jouer sans argent, vous avez Seider. C'est ça l'histoire que vous nous avez racontée, non? C'est, il a dit sans, avec, il ne jouera plus. Tu dis je jouerai plus, et après tu joues sans argent, mais tu as dit je jouerai plus. Ah ben le Yesod, il est quand je jouerai plus, si l'objectif est de protéger l'argent, à ce là-dessus, donc c'est Bourhank, c'est pour l'argent et pas donc jouer sans argent, c'est pas dans le cas du Neder. Et c'est pour Neder sans argent, et si celui-là il gagne, moi je fais comme ça. Je fais. Il y a une femme qui a dit si l'Arabie Saoudite, il gagne. Le cadeau règle, je me rase les cheveux. Il a rasé les cheveux. Bon. C'est bien, alors, c'est intéressant. Donc, ceci étant, poursuit. Le Taz, il dit comme ça. Im bishvil efset mamon ayano deaga, au bishvil sheyame a betzman beminesrok. C'est-à-dire, quel était son souci? Si son souci, c'était l'argent, personne n'a le droit de le faire même à sa place. Mais lui, il a le droit de jouer sans argent. Mais si le Neder, il est qu'il perdait trop de temps avec son argent, il rentrait tard à la maison, avec son jeu, pardon. Ouais, même gratuitement, il rentrait tard à la maison, il n'étudiait pas, il était là à boire avec les amis. Shemiatzileno, Bitulzman. Donc, même sans argent. Donc, tout dépend du Neder. Donc, ce qu'on voit ici en Kolpanim, explicitement dans le Shulchan Aruch, quelqu'un qui a fait un Neder de ne pas jouer. Évidemment, de ne pas jouer à des jeux, même s'il n'a pas présidé à un jeu d'argent,
mais on sait que c'est parce qu'il perdait de l'argent à chaque fois, c'est pas chout ou barou, que ce soit lui ou que ce soit quelqu'un d'autre, et ça rentre dans le cadre du Neder. Parce qu'il joue, il joue pas personnellement, comme c'est marqué Beforash. C'est-à-dire c'est comme une chlicroute, c'est lui, c'est de l'argent. Ça c'est pas chaud. Ah, comment on voit avec les Tsugia? Avec notre Tsugia, dans notre Tsugia, on voit dans la Mishnah, le Chorat, ouais, il faut bien aiguiser la chose. Dans notre Mishnah, on voit que s'il a fait le Neder de ne pas utiliser la vache de son copain pour labourer son champ, il peut demander, et que lui, il avait l'habitude de le faire, il peut demander à quelqu'un d'autre. Alors là, parce que le vent, il est que lui ne va pas l'utiliser. Quand il veut dire, dans ce cas-là, c'est lui qui ne va pas l'utiliser. La vache. Ouais, mais sur son champ, il va en profiter, c'est son champ. Mmh. Ah ben là, l'objectif, c'est que moi, je ne vais pas te solliciter. Tu m'as saoulé, je ne veux plus te solliciter, je ne veux plus l'utiliser. Il n'y a pas été notaire qui a dérivé son champ. Parce que l'objectif, c'est pas que le champ n'en profite pas. L'objectif, c'est que lui ne sollicite pas. Là-dessus, tu peux dire que c'est obtenu. Ah ben, quand c'est l'argent, l'objectif, c'est pas lui. L'objectif, c'est de protéger son argent. Donc dans ce cas-là, que ce soit par son biais ou que par le biais de quelqu'un d'autre, ça rentre dans le cadre du neder. Donc là, l'halakha assez. Quelqu'un qui a fait un neder pareil, il peut jouer ni lui-même, ni par son chliar. Maintenant, s'il joue sans argent, ça dépend. Si l'objet du neder, c'était pour protéger son argent, c'est gratuit. Ah ben, si c'était les Noah Bitulzman, c'était ça son neder, Asvadaï, que dans ce cas-là, donc il ne pourra pas jouer de toutes les façons. C'est pas chaud. Chav, il faut préciser encore quelque chose, c'est que à Hanouka, il y a des gens qui jouent avec. Ça pourrit. Aval alcool panim, tout au long de l'année, c'est assourd. C'est-à-dire, celui qui joue au poker avec l'argent, pas sous la doute. Et un pourrim. Ah, pour Pourim. Pourim, c'est un minage, je joue au doigt d'âge. Je ne vois pas la différence avec Pourim. Il gagne des milliers et des milliers. Il gagne des milliers et des milliers d'argent, d'euros. C'est là-bas. Qui ? Les Serbiens. Les Serbiens. Pour Pourim, il y a des milliers. C'est pas pour un petit son. Je ne sais pas comment il faut demander à Rabbi Haïkhouta, Cohen, il permettait ça, de jouer avec l'argent. Je ne sais pas, moi je suis un peu perplexe. Parce que c'est ça le cas de Asmarta, je précise. Contrairement au loto, où c'est pas chou ou baron qu'on a le droit de jouer au loto, pourquoi? Parce que le loto, je donne l'argent. C'est-à-dire, il ne m'appartient plus avant le tirage au sort, mon argent est déjà plus à moi. Après, je gagne ou pas, mais tout celui qui se sépare de son argent tout de suite, il n'est plus à lui. Là-dessus, tu sais, il était macné, c'est terminé. Mais là, l'argent est posé sur la table. Il leur appartient encore. S'il dit j'arrête de jouer, il le reprend. Au loto, tu as payé, tu ne peux plus dire ah bon, je déchire le billet, je vais annuler. C'est fini. Tu t'es séparé de ton argent. Mais quand l'argent il est sur la table et que dans le feu de l'action, quand il prend. Quel est le sentiment d'un joueur? Il a mis 500 euros et le gars, je ne sais pas quoi, il lui prend. C'est le Yetzirara. Il le lui prend contre cœur. Ça, c'est Asmarta. Asmarta Lakania, celui qui prend, c'est Tchela de Gezel. Mis à part s'il a fait un Neder, mis à part l'issour de Neder, il y a aussi un issour de Gezel. Et puis. Ils sont d'accord. Non, ils sont pas d'accord. C'est voilà. C'est pas Belev Shalem. Tout au long de l'année, il faut préserver. Il y a d'autres jeux qui paraissent plus sains et plus positifs. À Deauville, il y avait un casino. Coupe.